Bonjour et bienvenue dans la machine à voyager. Aujourd'hui, on restaure le tableau de bord et c'est juste après ça. Et bien voilà, pour restaurer le tableau de bord, il va falloir démonter tous les éléments un par un pour pouvoir avoir la planche complètement nue pour la nettoyer. Et après pour la repeindre, je pense que c'est nécessaire de la peindre, je verrai à ce moment-là. Donc les éléments, on a de l'électricité, on a des éléments aussi type allume-cigare, on a la boîte à gants. En dessous ici, on ne la voit pas, mais on a une veilleuse là pour éclairer les pieds pour le passager. On a les boutons ici. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Et on va commencer donc tout le démontage, on dépiote tout et après on fait le point. Un truc que j'adore, c'est qu'ici on a le cendrier et à l'intérieur du cendrier, il y a encore les mégots de l'époque. Donc s'il y en a qui sont intéressés, pas de problème, je leur fournis. Alors je vais commencer par démonter la loupiote pour éviter de la casser. Voilà, maintenant c'est tout démonté, maintenant il n'y a plus qu'à tout laver. Donc ça je vais le faire hors caméra, donc rien de magique, hein. Ce sera juste de l'eau avec du liquide vaisselle, une éponge, et puis j'enlève toute la merdouille. On voit qu'elle tourne, ce qui est une bonne nouvelle. Donc voilà, une fois nettoyé, ça donne ça. Sauf que ça me plaît pas trop, on voit que quand même la peinture s'est usée. Et derrière là aussi, là c'est bien usé, donc je pense que je vais remettre un petit coup de peinture. Le problème, c'est cette peinture, c'est de la peinture vermiculite. Il y en a qui pensent que c'est de la peinture avec des effets paillettes dedans, mais pas du tout, c'est pas de la peinture brillante. C'est de vermiculite, donc ça fait comme des petits traits qui font cette brillance-là. Donc il faut que je mette une peinture très très légère pour avoir le même... que ça recouvre et que ça bourre pas les petites rainures et avoir le même effet. Donc ça va être le challenge. Et voici donc le tableau de bord complètement refait. Donc ici, on voit le câblage qui est devenu vraiment très propre. Ici, j'essaie de vous faire voir la fée vermiculée, mais malheureusement, j'y arrive pas bien. Il aurait fallu que j'eusse un objectif qui fasse de la macro. Pour ce qui est du bouton derrière, là, donc il est cassé. J'ai voulu reprendre l'autre bouton de l'autre voiture que j'avais. Malheureusement, c'est pas les mêmes connecteurs derrière, pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc ce que je ferai, je pense, j'y mettrai un coup de colle à chaud juste là. J'appliquerai ou par derrière, juste pour le retenir et puis qu'il se barre pas avec la colle à chaud. De toute façon, ça s'enlève vite fait si je tire plus tard pour le réparer ou si voilà. Donc ça sera la petite réparation que je ferai au moment du montage. Je suis content du coup, surtout qu'on a gardé la granulosité de l'effet vermiculite de la peinture d'origine. D'ailleurs, j'étais très étonné, c'est que ça l'a prononcé, c'est-à-dire que même avant, c'était un petit peu estompé. Il faut dire, si je le repeignais, c'est parce que la peinture, elle était un peu passée. Mais en tout cas, la couleur, mais pas le relief. Et du coup, là, ça lui a redonné bien l'aspect relief par rapport à la lumière. Donc, je suis très content. Voilà, je vous propose dans une prochaine vidéo, c'est de faire le pédalier. Donc là, on a le support qui prend les trois pédales, frein, embrayage et accélérateur. Et aussi le frein à main, donc prochaine vidéo, c'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, moi ça m'aide beaucoup et puis ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et donc abonnez-vous, likez, et moi je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine.